Un navire aux allures futuristes était la curiosité des Calvés et des touristes dans le port de Calvi. 130 mètres carrés d'innovation technologique. Energy Observer, c'est son nom. Un catamaran recouvert de panneaux photovoltaïques. En fait, un bateau laboratoire utilisant pour son fonctionnement uniquement des énergies renouvelables, avec aussi le vent et ses éoliennes nouvelle génération. Et surtout, c'est la grande innovation produisant de l'hydrogène. Ici, on est vraiment dans le local spécialement dédié à l'hydrogène, avec en face de moi la pile à combustible, donc la pile à combustible qui convertit l'hydrogène en électricité. De l'hydrogène produit à partir de l'eau de mer désalinisée et stocké ensuite dans deux cuves du bateau. Le stockage, c'est cela la nouveauté et aussi l'espoir des ingénieurs qui font partie de l'aventure Energy Observer. Un navire parrainé par le ministre de l'écologie Nicolas Hulot pour une expérimentation qui doit durer 6 ans et aux applications multiples. Energy Observer, c'est un projet qui est développé à partir d'un démonstrateur qui est un bateau, mais ce n'est pas un projet uniquement maritime. En fait, on peut très bien imaginer dans le futur une ville, une région, un pays entier qui fonctionne grâce à cette architecture énergétique et électrique. L'équipage bichonne la technologie installée à bord. Le bateau a coûté 5 millions d'euros et nécessite 5 autres millions d'euros pour son fonctionnement. Un investissement dans un but précis. Le but, c'est d'arriver à faire fonctionner tous les systèmes correctement et de déterminer à partir de la vitesse à laquelle on veut aller et des conditions météo, quelle route il faut emprunter pour avoir le maximum de solaire, le minimum de vagues, le minimum de vent, etc. Donc on optimise notre trajectoire pour consommer le moins d'énergie possible. Des enjeux énormes avec ce catamaran au cœur de la transition énergétique.